toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Djuléo. Au début de cette édition à l'est de la RDC, où le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Butembo le jeudi dernier. Il a été accueilli par une foule immense au centre-ville. Devant la foule, le chef de l'État a salué le courage de la population locale face aux attaques répétées des forces négatives. Au troisième jour de sa mission d'évaluation sécuritaire dans les Grands Nord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi la route pour relier la ville de Butembo. Question pour lui d'honorer cette population qu'il attend depuis plusieurs années, mais aussi une occasion d'inspecter ces tronçons de 54 km faisant partie du projet ougando-congolais de rénovation des routes. Heureuse de rencontrer son président pour la toute première fois, la population de Butembo, très mobilisée, a arrêté l'escorte présidentielle pour l'écouter. Dans une brève adresse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré ses compatriotes quant à sa détermination de neutraliser les forces négatives. L'état des sièges et la rénovation des routes en sont des preuves. Watoto wa Butembo, mjambo! Amjambo! Bana mboka nazane esengo munene. Esengo munene ya koyana mboka Butembo enfin na ye na Butembo. Esengela ki na ya deja wa depuis 2018 tango wa campagne. Tozala ki na ndeko na ngai Vital Kamere. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps qu'on y a côté au yot, au zongaki, au kenei bounia. Mais, na lingi na ebisabino, que ce qui na ye awa, et zali pona kolobanabino, que na kobo sanabino, jamais, jamais, jamais. Na ye koye bisa banguna ya biso, banguna ya ekolo. Ba oyo bazali kobenga ma ba ADF. Batika koboma bana mboka Congo. Tokobundisa bango tina suka tokolemba te. Soki bango bakanisi ke bakolonga biso bazali komikosa. Lelo na tongo. Na wuti kozwa réunion na Beni avec ma responsable nyonso ya sécurité gouverneur Oyasika oyo totie en attendant na mikambo ya état de siège po atale na biso makambo ya sécurité asangisaki ma responsable nyonso na mokonzi na mokambi ya armé to sololi na bango. Donc, oui, ma mesure, n'a coquille qu'au promettre binoa, que bota la banda lelo, n'a mi colomisali koya, pokomo n'a pas forces armées congolaises et kozoa de plus en plus de force, de plus en plus de puissance. Nyon soana, poto koka kolonga, banguna, oya ADF, oyo, basilisi, koboma. Bande konabiso, banso, oyo ya beni, naba environ ya beni. Na yefe, naba sango ya kitoko, a part sango oyo ya mawa, ya bande kobazako kufa, sango ya kitoko nazanango, ezali, ya inauguration, oto sali lobby, nande konabiso président, Yoweri Museveni ya Uganda, inauguration ya projet ya Nzela. Ya Nzela tokosala banda Kasindi, tina beni, ti Butembo awa. Avec objectif ya kokoma tina Goma quand il y aura encore de plus en plus de moyens. Mais avantage ya projet wana ezali nini? Avantage ya projet wana et que ça là que banamboka Butembo, banamboka Beni, bande konabiso, banso o bazali na région Oyo,
bakokoka ko évacuer ba produit na bango pe ko importer ba produit na bango très facilement à partir ya Nzela oya Uganda et puis biso moko République démocratique du Congo to kotipe na communauté ya ba pays oyo ya Afrique de l'Est. Ce qui veut dire que ba opérateur économique ya République démocratique du Congo ba kokoma avec les mêmes avantages que ba opérateur économique ya Uganda, ya Kenya, ya Rwanda, ya Burundi. Comme il l'a fait à Beni, les chefs de l'État a sensibilisé la population face à la résurgence de la pandémie de COVID-19. Après l'étape de Butembo, le chef de l'État a poursuivi sa visite à Bunia, c'est dans la province de l'Ituri. Toujours à l'est du pays, trois semaines après la signature à Kampala d'un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier et l'accord de développement du projet concernant la construction et rénovation de route nationale 4 aidée entre les autorités ougandaises et congolaises, le président de la RDC et son homologue ougandais ont lancé les travaux de rénovation de 223 km de route congolaise répartie en trois axes. Suivez. La rivière Lubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kasindi Beni 85 km, Beni Butembo 54 et Bunagana Goma 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusque Beni Butembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès le moment où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques, et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons nous, Congolais, encourager ce projet et lorsqu'il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusque à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternel, bien sûr, entre nos deux peuples. So, I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Tshisekedi.
for bringing Congo into the East African community. Et de nous avoir conduit. Revenons à Kinshasa, où la Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'est dit disposée à appuyer les programmes du gouvernement Samalou Kondé. C'est au cours de l'audience qu'a accordé le Premier ministre. Suivez. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie nouvelle, la stratégie Badea 2030, qui est une stratégie qui s'articule autour d'un certain nombre d'axes stratégiques, dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeur agricole, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité donc, de la banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés pour le financement des partenariats publics-privés, le financement des entreprises privées, le financement du commerce. Ceci en plus des interventions de la banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés donc, à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. J'ai aussi réitéré l'engagement de la BADEA à contribuer, conformément à sa mission, à accroître le volume des investissements directs étrangers arabes en RDC et à accompagner les pays dans la mobilisation des financements privés et la mobilisation des investissements privés conformément aux priorités nationales et aux orientations du plan de développement de la RDC. Le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a exprimé tout l'intérêt que son gouvernement porte sur le partenariat que nous engageons donc, avec votre pays. Et nous avons déjà commencé des discussions avec le ministre, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Ces discussions vont continuer. Nous avons aussi prévu une séance de travail avec le secteur privé aujourd'hui, cet après-midi. Et à la fin de notre mission, nous allons convenir avec le ministère de l'Économie et des Finances d'une feuille de route pour les actions futures donc, de notre banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes. Toujours à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la 7e réunion du comité des conjonctures économiques avec le ministre sectoriel. Cette réunion a examiné la situation économique de l'ensemble du pays. Au sortir de l'audience, le ministre de l'État, ministre de l'Emploi, ministre du Plan, Christian Moando Simba, fait les comptes rendus suivants. Oui, cette réunion du comité de conjoncture autour du Premier ministre a examiné la situation économique de l'ensemble du pays. On constate que globalement la situation du pays est stable. Le taux de change reste stable à peu près 1 dollar pour 1999 francs congolais à l'officiel et 1 dollar pour 2022 francs congolais au marché parallèle. Au niveau mondial, on constate que la croissance, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Et avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local tirées par l'économie extérieure. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la troisième vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Donc le Premier ministre a appelé à la vigilance et au respect des mesures barrières qui ont été édictées par le chef de l'État. Également, nous avons constaté qu'au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations, ce qui est une bonne chose. Et le Premier ministre nous a exhorté à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé au ministre des Finances et au ministre du Plan
de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministériels sur le code des investissements en cours de signature, de manière à ce que cela ne pète pas à des fraudes au niveau des populations. Il a également enfin exhorté le gouverneur de la banque au respect du pacte de stabilité macroéconomique et il a appelé également Madame la ministre de l'Emploi à poursuivre le travail en cours sur l'identification des contrats. Il a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail. Voilà un peu globalement ce qui a été dit au cours de cette réunion. Il y a une stabilité au niveau de la réserve nationale, mais la tendance est toujours à la hausse. Le gouvernement de la RDC est déterminé à éradiquer l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Déclaration faite par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi-Kembe. Suivez. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi-Kembe, a, au nom du gouvernement de la RDC et de la tripartite congolaise qui participe à partir de Mwanda au Congo central par vidéoconférence à la 109e session de la Conférence internationale du travail, fait savoir à la plénière de ce jeudi 17 juin 2021 que les avancées significatives dans la lutte contre le travail des enfants ont été enregistrées ces 10 dernières années en République démocratique du Congo. Par ailleurs, des réalisations tangibles et encourageantes ont été enregistrées, notamment dans les secteurs de la défense, des mines, de l'éducation et de la protection sociale. Le pays est doté de documents et autres mesures pertinentes pouvant contribuer à accélérer l'élimination du travail des enfants. Il s'agit du plan d'action pour la lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants, de l'étude de sécurité et santé dans l'agriculture, de la stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux, du relèvement de la capacité de contracter à 18 ans. Dans notre code de travail, c'est précisé à l'article 6, code de 2016. De l'application effective de la gratuité de l'enseignement fondamental en 2019 et 6, de l'extension des allocations familiales extra-légales aux enfants des salariés sur l'ensemble du pays. Pour la patronne de l'emploi, travail et prévoyance sociale en République démocratique du Congo, une baisse remarquable sur l'incidence de travail des enfants dont l'âge varie de 5 à 17 ans, soit une diminution de 26% représentant plus de 10 millions d'enfants sortis du marché d'emploi a été observé selon les statistiques publiées par l'Institut national des statistiques et l'UNICEF. Et à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, a accordé son hospitalité à Madame Anne-Marie Boédier et Jacques Krabol, respectivement, représentants de pays de Médecins sans frontières et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie avec Jacques Krabol. L'entretien a porté sur le report de la régionale d'Afrique qui devrait avoir lieu du 14 au 17 juin courant. L'essentiel de notre échange, c'est, si vous voulez, au milieu de cette pandémie, de montrer que nous continuons d'être présents, et même si nous comprenons le report de la régionale Afrique qui devait avoir lieu, qui devait être un grand événement, et nous avons profité de notre passage au Congo-Brazzaville pour venir ici en RDC, pour faire le point suite aux élections qui ont eu lieu, pour relancer la dynamique autour de la section congolaise qui marchait déjà bien et qui doit aller encore plus loin, surtout qu'il y a des grands rendez-vous qui sont devant nous. Il y a les Jeux de la francophonie, il y a la reconduction, nous l'espérons, arrêter la date le plus vite possible de la régionale. Et puis la RDC est un grand pays qui compte au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pas seulement par sa taille, pas seulement parce qu'il y a un grand nombre de locuteurs, mais c'est un pays fort et donc nous voulons retisser des partenariats à travers des coopérations, par exemple dans le cadre de la démocratie, dans le cadre des élections, du droit des femmes. Et c'est pourquoi nous avons le sourire,
parce que nous sentons qu'il y a une véritable volonté de continuer et même d'aller plus loin. Donc au plaisir de vous revoir. Il n'y a pas encore eu de date, mais ça, nous allons laisser le soin à la section congolaise d'être reconstituée. C'est bien parti. Le président nous a dit que nous aurions des réponses avant le 15 juillet. Et donc, à partir de là, nous travaillerons sur les dates et sur des nouveaux partenariats à mettre en œuvre sur les, dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Et avec Anne-Marie, les discussions ont porté sur la sécurité sanitaire dans le pays de la République démocratique du Congo. Bonjour, je suis Anne-Marie Boyel-Dieu, la représentante de Médecins sans frontières ici en RDC. MSF avait sollicité une audience avec l'honorable président de l'Assemblée nationale pour d'abord présenter mes civilités dans le cadre de ma récente prise de fonction et ensuite, à titre d'acteur engagé auprès de la population congolaise, rencontrer l'Assemblée qui elle-même œuvre dans l'intérêt de la population. Les points de discussion échangés ensemble ont concerné la sécurité dans le pays et le droit à la santé, la défense du droit à la santé, qui est un droit fondamental pour la population qui doit pouvoir en bénéficier à tout moment. Alors, l'insécurité est aujourd'hui un fléau qui touche avant tout la population congolaise, qui touche également les différents acteurs engagés sur le terrain. Et à ce titre, et dans la configuration actuelle de l'état de siège, il était important pour MSF d'échanger avec l'Assemblée nationale dans son rôle à jouer par rapport à cette configuration. MSF a été très bien reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale, a eu le temps d'échanger avec lui comme il se devait, et on l'en remercie. Quittons Kinshasa, rendons-nous à Lubumbashi où le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwi, qui a Le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwi, a démarré ses activités par l'inauguration du pont Loafou, situé à l'entrée de Kapolowe Mission, un ouvrage de 30 mètres de longueur et de 6 mètres de largeur et peut supporter jusqu'à 60 tonnes. Le pont a été construit par l'école de génie militaire grâce à la redevance militaire perçue par les secteurs de la Lufira. Après, Jacques Kiabula Katwi se rendra au terrain de football où il procédera à la distribution des équipements sportifs aux équipes de football de Kapolowe Mission. Il s'agit des jeux de vareuses, des bottines et des ballons pour promouvoir le football dans ce coin du territoire de Kambo. Merci sala gouverneur wetu trompenda sala. Na on félicite notre gouverneur Kiabula Katwi. Kwa bien tu fais chercher ba jouer. Lakini na mpendelea maisha marefu mu gouvernement yake na endelee paka hivi Mungu ambariki sana. L'étape suivante de la visite de l'autorité provinciale était l'hôpital général de référence où le chef de l'exécutif provincial remettra des équipements médicaux et autres produits pharmaceutiques avant d'inaugurer ce nouveau bloc réhabilité et doté d'appareils répondant aux normes universelles. Jacques Kiabula Katwi a tout de suite après procédé à la pose de la première pierre de la construction d'une morgue moderne en remplacement d'un petit local datant de 1954. Le projet a tout de suite était béni par les autorités traditionnelles du secteur. Et face aux difficultés d'accès à l'eau potable dans cet hôpital, le numéro 1 du Haut-Katanga a supervisé les travaux d'adduction d'eau en faveur de la plus grande structure sanitaire de la contrée. Docteur Bienvenu Kabund, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kapolowe, a remercié le gouverneur de province au nom de toute la population. Notre gouverneur Papa Wandani, grand merci au nom de la population de Kapolowe, grand merci au nom des Sœurs de Charité de Jésus et de Marie, grand merci au nom de notre ETD de Lufira, grand merci au nom de tous nos malades lépreux. Nous vous remercions, excellent. Avant de quitter l'hôpital, Jacques Kiabula Katwi a apporté un réconfort aux lépreux internés ici, dont la prise en charge a été devenue un casse-tête pour les religieuses catholiques sur qui reposait cette charge. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a promis une subvention de 5 000 $ américains par mois pour permettre à l'hôpital général de référence d'assurer une bonne prise en charge de ces
malades. Pour clôturer sa mission à Kapolowé, le chef de l'exécutif provincial a visité les installations de l'Institut Kiangalele, dont les locaux sont en pleine réhabilitation, et cette cellule réhabilitée servant de cachot de la police nationale congolaise de Kapolowé Mission. C'est par cet élément de Jacques Kiaboula qui a Katwe que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, partagez nos émissions. Surtout, n'oubliez pas. Au revoir.